les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d'idéal, qui dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. À tous, je dois, et l'honneur, et la charte, des responsabilités qui désormais m'incombent. Je ne distingue pas entre eux, ils sont notre peuple, et rien d'autre. Je n'aurai pas d'autre ambition que de justifier leur confiance. Ma pensée va, en cet instant, vers les miens aujourd'hui disparus, dont je tiens le simple amour de ma patrie, et la volonté sans faille de la sienne. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que dans la fidélité à mes engagements, elle trouve le chemin des réconciliations nécessaires. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Des centaines de millions d'hommes sur la terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à émettre. Mesdames et messieurs, messieurs, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant.